Ok, donc petite info d'abord, on ne va utiliser aucun logiciel comme ceux qui viennent directement avec nos cartes graphiques. Voilà, donc je vais tester directement sur IronSight qui va me montrer la carte graphique que j'utilise actuellement. En fait, c'est pour vous montrer que c'est ma première carte utilisée sur le jeu ma Intel HD graphique. Donc je vais aller au niveau des paramètres, puis sur l'onglet de vidéo. Lorsque je descends un peu, on peut voir que là, c'est ma Intel HD Graphique 4000 qui est utilisée dans le jeu. Et je n'ai pas de possibilité de la changer parce que le jeu ne l'a pas détecté. Donc, ce que je vais faire, c'est bon, naturellement fermer le jeu d'abord. Ok. Puis, je vais faire un clic droit sur le bureau et aller sur paramètres d'affichage. Une fois sur cette fenêtre, je descends un peu et je clique sur paramètres graphiques. Voilà, de là, on me demande de, on va dire, uploader des fichiers, de sélectionner des fichiers en cliquant sur Browse ou Parcourir si tu es en français. Et c'est là que je vais choisir maintenant les jeux que je souhaite améliorer. Dans mon cas, je vais prendre deux applications, IronSight et le lanceur de l'application IronSight, parce que là, ça fonctionne ensemble. Si toi, tu veux lancer juste le FIFA, par exemple, tu lances juste l'application FIFA et c'est bon. Donc l'important ici c'est de cliquer sur Options là et de cocher la case High Performance. Vous pouvez le voir ici en haut, High Performance est directement réglé sur la carte graphique la plus puissante, ma AMD Radeon. Et le Power Setting c'est seulement sur ma carte Intel. Donc je mets OK et je fais comme ça sur toutes les applications que je souhaite booster. Ça peut aussi être des applications de montage comme Camtasia que j'utilise. Donc une fois que c'est OK, je vais tester sur IronSight maintenant, je vais relancer le jeu. Pour que tu puisses confirmer que le jeu a en effet reconnu ma carte graphique, ma Radeon. Voilà, clique encore sur vidéo. Et là, directement, tu vois ma AMD Radeon est reconnue, même si je ne sais pas pourquoi ça a mis 32 mégas là, alors que je suis en 2 gigas de dédié. Oui. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ça fait déjà le taf, ça fait déjà vraiment le taf. Donc, c'est tout, hein, c'est juste ça comme astuce, il n'y a rien de particulier, tu fais juste cette petite modification. Donc maintenant que tu es au maximum de tes capacités, n'oublie pas de liker et d'écrire merci en commentaire. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu es abonné à la chaîne. Bye!